Ensuite, représentant l'Espagne, representing Spain, Mikel Medina. From Czech Republic, de la République tchèque déjà sacré deux fois champion d'Europe, Metodej Jelek. Venant de la Belgique, from Belgium, Lorenz Berger. Il représente l'Italie, from Italy, Manuel Giotto. Venant du Portugal, representing Portugal, Afonso Silva. From Denmark, du Danemark, Magnus Norman Jeppesen. Et représentant la France, from France, Arthur Le Baupin. Two French guys, one Spain, one Czech Republic, one from Belgium, one from Italy, one from Denmark, one from Portugal. Athlète à surveiller, hein, donc j'annonçais Quentin Pujol, mais aussi Magnus Norman Jeppesen, vice-champion d'Europe 2022. We will start for five laps. On va partir once again for five laps, une nouvelle fois pour cinq tours. Allez, on prend les devants directement avec Quentin Pujol. Ensuite, on retrouve en deuxième position Lorenz Berger. En troisième, c'est l'Italie, Emmanuel Giotto. Quatrième, on retrouve Metodej Jelek, Arthur Le Baupin, Magnus Norman Jeppesen, le Portugal et Afonso Silva, puis l'Espagne et Mikel Medina. Allez, the beginning tours of the race, led by the French guy, the two French guys, two French skaters, and beyond them, Belgium, Czech Republic and Italy, and Metodej Jelek. Right now, is leading. Ah ouais, Metodej qui a sûrement envie d'aller chercher un troisième titre ici à Valence-d'Agen, mais c'est sans compter bien sûr Quentin Pujol et Arthur Le Baupin, Lorenz Berger aussi. Ah, tout le monde peut aller chercher encore ce titre de champion d'Europe. Il va rester un tour sur la ligne. Toujours Metodej Jelek aux avant-postes, Quentin Pujol en deuxième. En troisième, on retrouve l'Italie, Emmanuel Giotto. Oh, le Portugal avec Afonso Silva, oh, quatre garçons pour un titre. Oh, est-ce que ça va être Metodej? Oh, Quentin Pujol qui a pris les devants. Quentin Pujol, oh, attention à l'Italie, Quentin Pujol peut-être. Oh, est-ce que Quentin va aussi gagner France-Italie, Quentin Pujol. Oh, Quentin Pujol, the new European champion from France. The victory for the French racer, Quentin Pujol. Once again, Quentin. How did you say it? Quentin. Allez, français, comment on dit, Quentin? Allez, ils veulent pas. Quentin Pujol, bien sûr. Voilà, on va vous donner le résultat officiel, bien sûr, mais Quentin semble bien parti pour Le résultat se voir couronné. Le résultat officiel, bien sûr, c'est Quentin Pujol, le nouveau champion d'Europe. The Vice European Champion from Italy, Manuel Giotto. Manuel Giotto, Vice European Champion from Italy. Et celui qui termine troisième, il vient tout droit du Portugal. From Portugal, Afonso Silva. Third ranked from Portugal.